Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo Thomas, ça fait des petits gars, on pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller tester le Vegeta Blue Evolution LFA 6 étoiles cette fois-ci lors du triple duel invocation entre moi, Yepkeis et Ludivine. J'ai réussi encore à avoir un doublon sur le Vegeta, ce qui fait qu'il passe 6 étoiles. Et là, je pense que ça va casser de la bouche en duo avec Topo Akashin. Bref, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. Alors, comme vous l'aurez constaté, j'ai pas mon décor derrière moi parce que là, Ludivine, elle est en live. Tu vois, là, on est encore lundi soir, elle est en live. Moi, voilà, je me suis mis un petit peu à l'écart, un petit fond vert. On va partir en PVP. Let's go. Yeah! Ok, pour cette première game, Team Saga des Films. Donc voilà, je prends le Topo, le Vegeta et le Goku. Mais je viens de voir. Oh, incroyable. Soso Family. Bon, bah écoutez, on va déjà affronter un abonné. C'est BKS. Et bah, bonne game à toi, mon frérot. Ça fait plaisir de tomber sur des abonnés pour les vidéos. Avec le Vegeta Blue Evolution 6 étoiles LF. Bah let's go frérot, on va voir un petit peu comment ça joue. Alors Goku A c'est très fort, avec également le Gogeta Zenka est très fort. Alors Goku A c'est fort, par contre vu que j'ai Topo Akashin, je suis moins inquiet. Parce que le Topo Akashin, il en fait qu'une bouche et du Goku A. Il l'envoie à la cuisine hein. Bon après c'est contre-type, c'est normal. Mais bon, je suis un peu plus serein quand j'ai le Topo Akashin, si tu vois ce que je veux dire. Et bah écoute, bonne game à toi frérot, allez. Ish, ah. Voilà, il va me voir arriver. Et ouais, ah purée. Il a tempo dès le départ. Mais bon, ça tank avec Topo. J'ai pas été bon dans le timing. Ok. Ah oui, c'est vrai, purée. La cover ne fonctionne pas face à Gogeta Blue LF. Ok, allez. Wouah, GG là, ce qu'il m'a fait là. Oh là, Topo encore qui m'a mise. Incroyable, ok. Ouais, et... Il me met des tempos de ouf. Il me met des tempos de ouf. Ich. Pim. Voilà. Pum. Let's go. Là, Topo Akashin. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit, Topo Akashin. Voilà, c'est pour moi. Ah, d'accord. Bon, ok. Je m'attendais pas. L'aspect Rising Rush, bien joué à lui. Il a bien fait. Il a très bien fait. Je le contre, ok. Je ne vais pas Rising Rush du coup dans cette game. On va respecter la Soso Family. Allez, allez. Ça passera pas, ça passera pas. Ah là là, j'ai le seum. Mon ultime n'est pas passé, du coup il va mourir. Ok. Ok, let's go, allez. Ça passe. Je commence un peu à cerner comment il joue. Dans ses tempos, dans ses pas sur le côté. Ça devrait faire mal quand même hein. Même sur le Gogeta Blue LF, ça devrait faire mal. Ça a fait très mal, mon frérot. Heureusement que t'as le main, ça te permet de te soigner. Oh la vache. Non, j'ai pas fait la tap attaque, frérot. On n'est pas fou. On n'est pas fou. Gogeta Blue, ça dégage. Ok. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Concentration. Ish. Boum. Il laisse ou pas? Il laisse ou pas? Il laisse. Il laisse, les amis de la guilde. La guilde Soso Family. Il respecte. Il laisse le Legendary Finish. Et ça, ça fait plaisir. Il laisse les animations. Bravo à toi, mon frérot. Franchement, tu as été vraiment très, très bon dans tes tempos. Franchement, tu m'as impressionné, surtout dans les tempos. Hein. Tu as été vraiment très bon. Et merci à toi d'avoir laissé le LF. Ça permet de voir un petit peu le Legendary Finish de ce Vegeta Blue Evolution LF à 6 étoiles dans cette vidéo. Parce que je suis pas certain que les autres adversaires que je vais affronter dans la vidéo laisseront le LF. Donc vraiment, merci à toi, mon frérot. Let's go pour la prochaine game. Ok, Team Métis pour cette deuxième game. Eh bien, let's go. Du coup, on va repartir pareil. Alors attention, parce que Team Métis avec le Gohan LF Revive, voilà, c'est méta, on va pas se mentir. Va pas falloir parler chinois, là. Va pas, parce que sinon, je vais partir vite à la cuisine. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il va mettre. Trunks, ok. Le Gohan LF Revive. Ah, et il a pris le Gohan SSJ2 Zenkai 7. Pourquoi pas, voilà, pour le topo, ok. Mais moi, j'aurais mis le Gohan Zenkai LF SSJ2. De type rouge. Mais bon, chacun ses choix. Allez, let's go. Ok, ça passe. Ok, Topo.
Là par contre, là ça, attention, le Vegeta Blue, là ça va envoyer de la sauce. Là ça envoie de la sauce. Ouf, ok. Pas sur le côté ou pas? Ah, il va esquive. Ouais, il esquive. Il esquive, c'est pas grave, là ça va tanker. Ça va tanker un minimum sans aucun problème. Ok. Ok. Donc là, il reprend des cartes avec la carte verte de Trunks. Ish, ça passe. Bel tempo là que j'ai fait. Voilà. Ouf. Voilà. Ok. Je me la prends. C'est bon, j'avais mis le... Ok, il a renchaîné direct les blasts, il s'est pas posé de questions. Et Rising Rush, très bien. Alors c'est loin d'être gagné quand même. À moins que je le contre là, c'est loin d'être gagné. Hein, parce que il a encore le Gohan LF Revive, et je le contre pas. Il a encore le Gohan LF Revive, tout ça, donc je peux pas Rising Rush à n'importe quel moment, moi. On va compter sur Vegeta Blue Evolution dans cette game. Faut vraiment compter sur Vegeta Blue. C'est lui qui peut faire la diff. Ok, parfait. Et ben en parlant de Vegeta Blue Evolution, il est temps. Il est temps de te réveiller. Oh là 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 là. Ok, parfait. À la cuisine. Donc déjà, c'est une bonne chose. On est quand même en 2v3. Hein. On est en 2v3. Hein. C'est chaud quand même. Ok. Ça passe. Donc là, topo, voilà. Ok. On va faire la speed suite. On va pas faire le main direct, voilà. Ça passe. Ah bah là, Rising Rush, direct. Je me pose pas de questions. Allez, vas-y, la blast, s'il te plaît, ne me le contre pas. Donc là, normalement, s'il me le contre pas, c'est le kill. Et normalement, c'est le kill, voilà. Donc là, ça fait plaisir. Topo qui a fait vraiment une bonne game là pour l'instant. Let's go, allez, c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé. Ok. Ah là là, ah là là, ah là là. J'aurais pu mettre la cover de Vegeta. Dommage. Dommage, dommage. J'aurais dû la mettre sur les blasts. J'ai déconné. Ça va pas tuer. Ça tue pas, mais ça fait mal quand même. Hein. Parfait ça. Cuisine. Allez, oust! Voilà. Let's go! Là, je te vois arriver. Donc là, voilà. Bon, bah là. Ah là là! Avec les lags là, wesh, c'est quoi ça? Oh la latence à la fin! Ok. Ok. Allez, normalement, ça tuera pas. Normalement, il pourra pas me le finir. Et après, je pourrai LF. Oh non, deuxième Rising Rush. Oh, la douille. Oh, la douille de Rising Rush. Je peux pas le LF, les frères. Ah, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum. Putain. Purée. Bon, bah là, par contre, là c'est Cuisine Jai pour toi. Va manger la confiture de fraises. Allez. Boum. Allez. Dégage. Allez. Ah, j'ai le seum. Putain, de Rising Rush. Quand même, hein. C'est là où on se rend compte que ça a été vraiment très, 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 très costaud. Topo Akashin et Vegeta Blue, évolution à 6 étoiles ensemble. Parce que, bah, du coup, on avait quand même une team qui tenait la route en face de nous. Et avec deux Rising Rush en plus, on s'est quand même mangé deux Rising Rush. Et on a tenu le coup. Et là, on est dans le top 15K. Bon, on va continuer encore. Enfin, on n'est même pas encore dans le top 15K. 15 001. 15 001. On va continuer les amis, let's go. Team Univers pour cette troisième game. Et bah let's go. Alors attendez, comment on va partir là? Je vais reprendre pareil du coup. Je vais reprendre pareil. Va falloir faire attention, il a également un Vegeta Blue Evolution. Il a un Bergamo et Bergamo aussi hein, ça peut faire la diff hein, ça fait vraiment très mal Bergamo. Je vais éviter parce que c'est vrai que je suis en train de crier. Il y a Ludivine qui est en live sur sa chaîne Twitch hein. Je vous rappelle là on est lundi soir. Du coup je pense que la vidéo sortira demain, mardi en début d'après-midi. Let's go. Ok. Va falloir faire attention quand même au Migaté. Parce qu'avec Topo Akaishin, il peut me l'envoyer aux fraises hein. En plus avec sa double jauge de téléportation. Let's go. Ok, là on fait l'aspect direct, boum, voilà. Oh, pas mal les dégâts quand même. Ok, pas mal. Perfect dodge, donc là aussi c'est pas mal du tout.
Il a mis le Bergamo, forcément. Donc là, on va ramener une carte. Voilà. Le Goku Blue. Putain, il tank, hein, le Bergamo, hein, face au Goku Blue Zenkai. Bon, par contre, moi aussi, du coup, comme il a contre-type, ça va tanker. Sauf que là, il a ramené le Vegeta Blue Evolution. Ok, parfait. Let's go. Ah, j'ai voulu faire une back cover, il a pas mis. Il a pas mis le Migaté. Là, vas-y, direct, direct. Je me pose pas de questions. Ok. Il a mis le Bergamo. Let's go. Et quand même, Bergamo, c'est costaud, hein. Ouh, pas mal la petite tempo là. Donc là, voilà. On tank, hein. Je vais mettre Topo Akashin. Le but, c'est pas de perdre Vegeta là-dessus. On sait jamais, tu vois. Je sais pas, peut-être ça ne l'aurait pas tué. Mais bon, ouais, en plus, je contre pas. On prend pas de risque. Le but, c'est de regarder Vegeta Blue Evolution en action dans cette vidéo. Donc, tant pis pour le Topo. Ah, il meurt. Il meurt. Ok. Let's go. Ah, ça lag. Oula. Hop. Non. Il y a une légère latence là, ça se met à laguer. Bizarrement. Voilà, ça risque de faire mal là. Voilà, je vais manger un peu là. Là, je vais manger là. Là, je vais manger. Et vous le voyez hein, également hein, chez les adversaires, le Vegeta Blue Evolution élève, ça fait mal aussi. Allez, let's go, c'est pas terminé. Ok, parfait. Ok. Le Migaté. Prend un peu de points de vie. Là, par contre, là, c'est fini pour lui. Voilà, boum, le Migaté, au revoir. C'est ce que j'attendais. Parfait, ça. Alors ça, par contre, ça, c'est cool. Ça va pas suffire. Je vais devoir Rising Rush. Ça lag, ça lag, ça lag. Non, mais regardez. Non, regarde. Voilà. 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 Encore un joueur. Encore un joueur à balle 2. Donc là, je pense que normalement, il y a eu la déco. Il y a eu la déco. Donc là, c'est devenu un bot. Voilà. Donc quand les mecs sont en difficulté, ils acceptent pas. Ils déco à l'arrache. Voilà. Et il y en a des fois, ça leur compte pas la défaite. C'est ça le pire. Donc voilà, ça c'est nimp. C'est nimp. Ok, let's go. Bon, du coup, là, hop. Voilà. Et on va pouvoir se faire plaisir. Comme ça, on reverra encore le LF du Vegeta Blue Evolution. Ça fait quand même plaisir hein, de voir son attaque LF parce que je la trouve vraiment bien, bien réussie. Hein, comme j'ai pu vous le dire, franchement, je la trouve sublime. Je la trouve sublime. Voilà. En tout cas, les gars qui déco comme ça, c'est pas bien ça. Franchement, c'est pas cool, les amis. C'est pas cool. Mais est-ce que vous voyez quand même le Vegeta Blue Evolution LF en duo avec Topo Akashin, je trouve que les deux, eh bah, ça fonctionne vraiment très très bien. Et là, du coup, bah, là, on doit vraiment être dans le top 15K, normalement, hein, si je dis pas de conneries, on va aller voir ça, mais logiquement, on devrait être dans le top 15K. Let's go, on va voir ça tout de suite. Voyons voir, voyons voir. 14814. Ok, ça se passe plutôt bien. Et bah, let's go, les amis. On refait encore une game. Team famille royale de Vegeta. Alors là, je vais changer un petit peu. Je vais reprendre Topo Vegeta Blue Evolution. Mais je vais prendre également le Vegeta SSJ God Zenkai. Ça va permettre un petit peu de changer. Puis vous le savez très bien, on l'a déjà joué en live. Il frappe extrêmement fort le Vegeta SSJ God. Donc ok, hein, sans surprise, voilà le Vegeta violet, le Majin Vegeta 7 étoiles. Et il a également pris le Vegeta Blue LF, type vert 7 étoiles. Et bah let's go les amis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Faut faire attention quand même au Majin Vegeta. J'ai Topo Akashin, donc ça peut quand même bien tanker en face. Après son Vegeta Blue type violet, franchement il me fait pas peur avec mes doubles Vegeta type jaune. Allez let's go. Ça passe. Ok. Ouf. Donc là voilà, blast là-dessus, voilà. Bah, il est déjà presque à la cuisine. Hein. Il est déjà presque à la cuisine. Il va aller à la cuisine. Voilà, bah voilà, voilà. Je vous l'avais dit, il me fait pas peur. Clairement, je vous l'avais dit. Vegeta Blue Evolution dans toute sa splendeur. Oh là là, le Majin ce qu'on lui met. Ouf.
Oh là 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 là. Oh là là. Oh. C'est insane. Oh. Incroyable, on est sur un perfect. On est sur un perfect. Oh, oh là là. Ok, concentre-toi. Faut faire le perfect pour la vidéo. Le perfect pour la vidéo. Faut faire le perfect pour la vidéo, les frérots. Faut faire le perfect pour la vidéo. Let's go. Incroyable ce qu'on est en train de faire. Les dégâts monstres. Ok, concentre-toi. Tu vas pas me toucher. Tu vas pas me toucher. Tu vas pas me toucher, je t'ai dit. Oh. Ah, putain, je suis pas dans le bon timing. Esquive. Perfecto. On a réussi à faire le perfect. J'ai pas réussi à l'ELF, mais au moins on a fait le perfect. Mais ça a été incroyable. Ça a été insane ce qu'on a vu. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Les dégâts du Vegeta Blue Evolution dans cette game ont été totalement incroyables. Le Majin Vegeta, vu qu'il n'était pas transfo, il est parti à la cuisine direct. Eh bah écoutez les amis, 14671. On est plutôt bien. On a quand même fait de très belles games. Et puis bon, bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On va s'arrêter là. Perfect, en fin de game. On peut pas rêver mieux. Voilà. Max et 2 pouces bleus sur cette vidéo, les amis. N'hésitez pas également à la partager et commenter. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera sans doute en vidéo en fin de journée. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Non, 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 non. Yeah.